Dans Pokémon Legend, il va falloir capturer 242 Pokémon pour terminer le Pokédex. Parmi eux, une quinzaine de nouveaux Pokémon, de nouvelles évolutions et des formes d'issues. Et on va voir dans cette vidéo comment tous les obtenir. C'est parti ! Avoir Ashekator. Ashekator, c'est le premier boss que vous affronterez. Il est incapturable. Il va falloir se débrouiller pour trouver son propre Ashekator. La première étape, c'est trouver un insécateur. Ces derniers se trouvent juste à côté de la zone du boss. Lancez quelques Pokéballs au loin et c'est plié. Vient l'étape la plus compliquée. Trouver une obsidienne. Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La première, utiliser la Pokémonture Ursa King dans le Marais Carmin. Celle-ci fonctionne comme un cherche-objet et avec un peu de patience, vous finirez par tomber dessus. La deuxième, c'est de compléter la mission secondaire 68. Un Tarinor ne perd jamais le Nord. Elle est placée un peu loin dans l'histoire, c'est pas la méthode la plus opti. Si vous êtes plutôt dans le tabassage de Pokémon, vous pouvez aussi trouver l'obsidienne sur les Gravalanches qui se promènent à travers tout Isui. Ça reste un drop rare, mais rien de mieux pour faire XP vos Pokémon. Et l'ultime solution, c'est les failles spatio-temporelles. L'obsidienne tombera au sol de temps en temps durant les tempêtes, entre les Tessons et la vingtaine de Pokémon qui tenteront de vous démonter au moindre ice contact. À vos risques et périls donc. Avoir Ursa King. Comme pour Ashekator, vous allez avoir besoin d'un objet spécial pour faire évoluer Ursa Ring en Ursa d'Inde. Regardez-moi ce physique. Bon, il y a une condition particulière en plus. Trouvez d'abord un Ursa Ring dans les Marais Carmin. Capturez-le et partez à la recherche de sa pierre d'évolution, le bloc de tourbe. Comme l'obsidienne, vous pouvez la trouver en la cherchant avec la Pokémonture Ursa King. Vous pouvez aussi la trouver au sol dans les failles ou avec la quête 86, perdue dans la neige. Une fois le bloc en votre possession, il va falloir dormir, aller de nuit au Marais Carmin et passer les nuits jusqu'à tomber sur une pleine lune. Si celle-ci est levée, vous pourrez utiliser le bloc de tourbe sur votre Ursa Ring pour le faire évoluer en Ursa King. Avoir Farfurex. Y a vraiment des gens qui veulent ce Pokémon-là? Pour avoir Farfurex, il va falloir tout d'abord trouver un Farfuré de Isui au contrefort couronné, dans cette zone. Avec un peu de chance, en capturant le Pokémon, il laissera tomber l'objet nécessaire à son évolution, la griffe rasoir. Si jamais vous êtes poissard et que vous ne le trouvez ni de cette manière ni dans les failles, il va falloir payer. En fait, pas mal d'objets d'évolution sont achetables. À cet étal, dans le village, vous aurez besoin de points de mérite que vous obtenez en ramassant les objets perdus des dresseurs de partout dans le monde. On y trouve toutes les pierres, plantes, feu, eau, éclats, mais aussi l'objet tant convoité, la griffe rasoir, achetable pour 1400 points de mérite. Une fois le Pokémon et l'objet en votre possession, utilisez l'objet en plein jour et vous obtiendrez votre Farfurex. Heureusement qu'on peut quand même avoir 10 morées dans le jeu, hein. Avoir Serbilin. Pour obtenir l'évolution de Serfrousse dans Légende Arceus, il va falloir jouer avec des attaques et les méthodes de combat. Attrapez d'abord un Serfrousse, vous en trouverez par exemple dans la plaine obsidienne à cet endroit, puis assurez-vous qu'il possède la capacité Sprint Bouclier. Il l'apprend au niveau 21, mais ne la maîtrisera qu'au niveau 31. Il ne vous reste plus qu'à spammer l'attaque en style rapide, et après 20 utilisations, votre Serfrousse deviendra un magnifique Serbilin. Avoir Quillpic. Quillfish se trouve un peu partout dans la côte Lazuli. Vous avez juste à vous balader à dos de Paragruel pour tomber dessus. Capturez-le, et un peu comme pour Serbilin, il va falloir qu'il maîtrise la technique multitoxique pour pouvoir l'utiliser 20 fois en style puissant. Lancez la séquence d'évolution et à vous le Pokémon au design sortant tout droit de Splatoon. Avoir Paragruel. Ok, c'est pas le plus simple à faire évoluer. La première étape, c'est d'aller chercher un Bargantua juste derrière l'île Crache-Feu. Ils se trouvent tous autour de cette petite plateforme. Soyez très discret, assurez-vous qu'au moins l'un des Bargantua que vous venez de capturer a des rayures blanches sur lui. Les rouges et les bleus sont incapables d'évoluer en Paragruel. Maintenant, il va falloir le faire souffrir. Bargantua doit prendre au minimum 242 dégâts de recul avec son attaque signature Aquatacle. Mon petit conseil, c'est d'aller dans les premières zones du jeu. Aucun Pokémon ne risque de détruire le vôtre, et il pourra se frapper tout seul jusqu'à évoluer. Avoir Amovenus. Comme dit dans notre vidéo sur les légendaires, Amovenus est un nouveau Pokémon d'Isui. Pour le débloquer, il faut attraper les trois premiers génies de la météo en post-game avec la quête de Kojita. En retournant la voir, Amovenus apparaîtra et vous n'aurez plus qu'à aller le capturer au Marais Carmin. Je vais te briser tes os. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas précisé dans notre autre vidéo. Saviez-vous qu'il est possible dans Pokémon Legends de faire passer les génies dans leur forme totémique? Pour ça, rien de plus simple. Une fois les 4 génies en votre possession, retournez voir Kojita qui vous donnera le miroir sacré. Amovenus deviendra alors une magnifique tortue venant compléter le trio animal.
Avoir les Pokémon forme Hisui. On a parlé un peu plus tôt de Farfuré et de Quillfish de Hisui, mais ce ne sont pas les seuls à avoir ce genre de forme. Tout d'abord, il y a les starters. Chaque dernière phase d'évolution des trois Pokémon possède une forme d'Hisui. Il y a Clamiral qui a un swap color. Non, sérieux, l'évolution est vraiment pas ouf. Archiduc, lui, échange ses flèches et sa capuche contre un magnifique chapeau. Et Typhlosion, lui... aime bien les plantes médicinales apparemment. Ah, je suis mauvaise langue. Les flammes autour de son cou rendent super bien. Tous les trois n'ont aucune nouvelle mécanique d'évolution. Il vous suffira de les faire évoluer normalement au cours de votre aventure. Vous pouvez d'ailleurs obtenir tous les starters sans aucun échange dans le jeu. Et ça, c'est magique. Soit vous attendez de terminer l'histoire principale, et alors le professeur Lavande vous donnera les deux autres starters, ou vous allez vous-même trouver chaque Pokémon dans des failles spatio-temporelles, où ils seront tout simplement capturables. On a Brindibou dans la faille du contrefort couronné, Hérissant au Marais Carmin et Moustillon aux Terres Immaculées. Maintenant, contrairement aux starters, certains Pokémon vous demanderont une méthode d'évolution spéciale. On a tout d'abord les Caninos d'Hisui, les toutous tout mignons, vous en trouverez sur la côte Lazuli, et pour les faire évoluer, il vous suffira de lui donner une pierre feu. Vous obtiendrez alors un magnifique Arcanin d'Hisui. Dans le même genre, il y a Voltorbe d'Hisui, trouvable au Parvis des Prières. Il faudra faire évoluer en utilisant une pierre plante, le transformant en un Electorbe vénère. Chlorobulle, quant à lui, n'a pas de forme Hisui, mais son évolution, si. Vous le trouverez dans la prairie des Landes et Herbes à Coton, et vous pourrez le transformer en magnifique danseuse avec une pierre solaire. J'avoue avoir une préférence pour la première forme de Fragile Lady. Mais bon, fini les pierres, on repart sur des méthodes d'évolution plus basiques, avec Furiglon. Vous le trouverez en train de voler autour du lac Savoir, sur les terres immaculées. Et pour le faire évoluer, eh ben il va falloir bien l'XP. Furiglon n'évolue qu'au niveau 54, ça va être long. Après, si vous êtes patient et skillé, vous pouvez toujours essayer de capturer le guerrier aigle qui vole au-dessus du lac Savoir. Ça reste une sacrée épreuve, faut lui lancer un nombre de balles incroyable vu sa difficulté de capture. Parlons maintenant de mon Pokémon dragon préféré, Muplodocus. Dans sa forme Hisui, il est... dépressif. Pourquoi? Dans tous les cas, pour l'obtenir, vous allez avoir besoin d'un Mucuscule ou d'un Colimucus trouvable au Marais Carmin et au contrefort couronné. Mucuscule évolue au niveau 40 en Colimucus, puis au niveau 50 en Muplodocus, seulement par temps de pluie et d'orage. Ça me rend si triste de le voir dans cet état, on dirait qu'il a du mal à porter sa grosse coquille. Bref, Seracrawl d'Hisui peut être de son côté facilement trouvé au glacier Seracrawl. Mais si vous voulez compléter votre Pokédex, n'hésitez pas à capturer un Grelasson pour le faire évoluer au niveau 37. Et pour terminer, les deux Pokémon les plus mignons, les plus dangereux, les plus puissants, les plus émogothiques du monde de Pokémon, Zorua et Zoroark d'Hisui. Je sais que vous les voulez. Ce sont les meilleurs designs des formes d'Hisui disponible. Pour les trouver, direction les souterrains de Givre dans les Terres Immaculées. Vous pourrez rentrer dedans grâce à cette crevasse glaciaire qui vous mènera directement à mon petit protégé, Zorua d'Hisui. Il est si mignon! Vous pourrez ensuite le faire évoluer au niveau 30 en Zoroark d'Hisui, incarnation même de la rancune des Pokémon envers les humains. Et voilà! Vous savez maintenant où trouver tous les Pokémon exclusifs à Légende Arceus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à tous les attraper, à me partager vos folles aventures sur mon Twitter, et j'en profite pour rappeler qu'on est en live tous les jours sur Pokémon Trash pour terminer Pokémon Legends. J'ai même eu des fanarts, merci encore! Comme par exemple cette représentation magnifique de moi qui relâche mon starter comme un malpropre en plein live, réalisé par Poussin Ninja. Merci à lui, je trouve ça trop cool et ça me fait chaud au cœur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Saréo, ciao !